Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous plaire. En ces temps difficiles, j'ai pu avoir la chance de visiter le temple tibétain bouddhiste de Wi en Belgique. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Première découverte, hein ? Qu'est-ce que réellement le bouddhisme ? D'après Madame Lambert, qui a pu nous faire découvrir le lieu tibétain, le bouddhisme serait non pas une religion ni un mouvement philosophique, mais bien une pratique d'éveil à soi-même. Les petits drapeaux que vous pouvez apercevoir sont d'origine ancestrale. Ils auraient la capacité à protéger et permettre le bien-être des humains, mais aussi des animaux, via le vent. Donc il y a le bouddhisme tibétain, il y a différents types de bouddhisme. En fait, on peut considérer que c'est chacun en fonction de sa région. On va dire. Voilà. C'est un chemin d'éveil. Un chemin de réalisation. En fait, ça représente le premier enseignement que le Bouddha a donné. Il l'a donné au parc des gazelles à Sarnath. Oui. La fameuse mangrove. Oui. Ah oui, 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 tout à fait. Ce lieu est destiné à accueillir tout visiteur curieux ou voulant se ressourcer lors d'une retraite amenant vers la sérénité. Le masque que vous pouvez apercevoir est effectivement assez effrayant, mais c'est un masque traditionnel. Ils sont utilisés lors de cérémonies ou de rituels. Ils sont issus d'entités mythologiques en partie inconnues. Ils servent aussi de support à la méditation. La Bible ou encore le Coran semble si court par rapport à cette armoire remplie de textes bouddhistes. Dans ce lieu de quiétude, le Bouddha vous accueille chaleureusement. Divers symboles l'entourent et retrouvez à chaque recoin des ornements majestueux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tibins.be. Lynn, il faut être en adéquation avec la nature. C'est avec cet envol d'oiseaux que je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter.